Christian Robert est primeur au Hall de Tours la journée. Le soir, il devient jogger. Hier, 19h30, fermeture du magasin. Et au grand dam de sa femme, Christian Robert s'équipe pour aller courir plutôt que de rentrer directement chez lui. Ce soir, on va faire une dizaine de kilomètres, mais en fractionné. Une demi-heure d'échauffement, 12 fois à peu près, 10 fois à peu près la tranchée. Et ensuite, un quart d'heure, 20 minutes de footing tranquille derrière pour récupérer. On va aller courir. 10 km ce soir-là, 50 km à réaliser sur la semaine. Si cet homme de 54 ans suit à la lettre près un programme d'entraînement, c'est qu'il participe pour la première fois à un marathon, celui de Tours. Et sur la tranchée, il n'est pas le seul à courir. Il faut dire que 2500 personnes se sont déjà inscrites au marathon, une course que Christian aura préparée pendant 12 semaines. Là, on est la troisième semaine avant la course, donc là c'est la dernière semaine où vraiment on fait un effort. Là, dimanche prochain je fais encore un semi-marathon et après on va commencer vraiment à décliner, c'est-à-dire qu'après au lieu de 4 entraînements on va passer à 3, puis l'avant-dernière semaine on va passer à 2 et la dernière semaine un seul entraînement, puis tranquille pour reposer un peu l'organisme parce qu'on lui a demandé beaucoup depuis 10 semaines. Son objectif, terminer les 42 km de la course et si possible en 4h30 de temps. Ses craintes sur ce marathon, la traversée du désert au milieu du parcours. Entre Savonnières, Berthenay-Saint-Genoux, c'est vrai qu'on va être en pleine campagne. Et comme le peloton va être assez étiré, je pense qu'on va être un petit peu seul. Il fait très beau, il fait très chaud. Si seulement il vient faire ce temps-là, j'ai peur qu'on souffre un petit peu. Notamment les crampes et puis comme je l'ai dit, les ampoules. Je suis sujet à faire des ampoules, donc voilà. Christian Robert a toujours fait du sport dans sa vie. Foot, course à pied, vélo. Mais ce marathon est un défi qu'il partage avec ses amis de l'association des copains coureurs. Des amis qu'il retrouve tous les jeudis soirs pour un entraînement, cette fois-ci, en communauté.